Venusberg. Je brûlais mes draps d'or et ma viole aussi, tandis que le brasier du repentir m'éclaire. Je vais auprès du pape avoir de lui merci. Oh, Saint-Père le pape, écoutez sans colère, par quel rare péché, suave aux démons, j'osais, loin de Jésus, grandement lui déplaire. Dans le beurre enchanté, sur le plus haut démon, je l'appelle Vénus, j'ai vécu cette année. Absolvez-moi, de par Jésus que nous aimons. La crosse du Saint-Père en ses mains étonnées trembla. Quand cette crosse aura feuilles et fleurs, les fautes que tu fis te seront pardonnées. Alors le chevalier s'en alla tout en pleurs. Puisque je ne puis plus, ô Madame la Vierge, espérer dans le ciel de porter vos couleurs, ni de brûler pour vous, luisant comme un beau cierge, je retourne à jamais dans le burg enchanté, afin que la Vénus, tendre dame, m'héberge. J'ai joie à vous revoir, grand joie en vérité. Chevalier, seyez-vous et buvez, je vous prie. Je vous ai, Tannhäuser, bien longtemps regretté. Or, le troisième jour, la crosse étant fleurie, le Saint-Père envoya des courriers promptement pour chercher Tannhäuser, parmi vers les prairies. Tannhäuser, chez Vénus, buvait le vin charmant. Il y doit composer de longs épithalames jusqu'à l'appel de l'ange, au jour du jugement. Il ne faut pas ainsi désespérer les âmes. Si ceux-là sont damnés, qui furent amateurs, tu parles clair et du clair sourire des dames, hélas, le paradis n'aura plus de chanteurs.